Monsieur, au lieu de traîner ici, s'il vous plaît, petit membre du gouvernement, qu'est-ce qu'ils sont en train de branler ici, là? En train de surveiller les eurodateurs, c'est ça? Vous êtes en train de surveiller les eurodateurs? Vous voulez vous faire du pognon, c'est ça? En dehors de votre métier de flic? Non, j'attends le commandant, c'est tout. Bah très bien, mais attendez bien alors. D'accord. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît, je suis membre du gouvernement. Je m'appelle Don Williams. Bonjour, monsieur. Veuillez faire votre travail, s'il vous plaît. Veuillez reculer le véhicule. Alors, je prends un souffle. Déjà, j'ai aucune preuve que vous êtes personne du gouvernement, monsieur. Élémentaire, mon cher Watson. En attendant, vous respectez les lois comme les autres. Je suis un simple civil. Merci. Ce que j'ai le droit de stationner ici, vu que c'est devant le commissariat, monsieur. Et c'est Kimat, Watson. Vous avez le droit de stationner, mais pas de cette manière. Donc vous reculez, la pelouse, elle est privée. C'est le. Ça sert pour les cacas des toutous. D'ailleurs, en parlant de toutou, tiens. Bon toutou, vous. Une belle brossette de guignol ici. Ah, et c'est quelqu'un qui s'est passé par le gouvernement qui parle de ça. Je suis porte-parole du gouvernement, si vous voulez savoir exactement mon poste. Ouais, bah attendez, le porte-parole il peut me ramener le commandant là, depuis tout à l'heure je l'attends. Sans preuve. Vous faites quoi là? Le porte-parole il va rien ramener, il va te ramener à bouffer si tu continues. Bah ouais, je veux bien manger s'il te plaît. Avec ta gueule de frais, t'as certainement du tout lui acheter. Bah de quoi? De quoi? Chacun son tour, je parle. À monsieur policier. Toi, t'es qui en fait? Je parle à qui là? Monsieur Williams, appelez-moi maître. Ouais, maître en plus, t'as oui, cru parce que monsieur, vous avez un papier qui vous filé. Je te jure, je suis également avocat au barreau, monsieur. Ah bah, montrez-moi votre diplôme ou montrez-moi une preuve que vous êtes partenaire du gouvernement. Donnez-moi une preuve que vous êtes cadet. Bah, mon badge. Eh, vous êtes avocat. On dirait un badge qu'on attrape au marsan d'attrape surprise. Ah, super drôle, super drôle, hein. Oui, c'est ça. Et toi, votre masque, vous l'avez certainement acheté au farce et attrape, c'est ça? C'est pas ce qui me retient de dégager. Si vous comptez vous défenestrer, monsieur le cadet, écoutez cet ordre, vu, s'il vous plaît, expulsez cette personne, ça lui fera en fait, dents, j'attends hein. Le comment. Vous voulez expulser, y'a pas de problème. Hein. En parlant d'expulser, d'expulsion, ça va vous rappeler des souvenirs, ça, hein? Il de quelle origine, monsieur? Comment ça, je suis de quelle origine, c'est monsieur, quoi, c'est ça? Monsieur, retirez votre masque, vous sortez d'ici. Oui, voilà. Écoutez les gens, s'il vous plaît. Cadet, tu te fais menacer par un mec qui a un cheveu sous la langue, tu me dis de sortir, t'es sérieux ou quoi? Je peux menacer, gros, mais c'est lui qui a une raison. La manière dont vous roulez les airs me dit que vous êtes d'origine africaine. Oui, clairement. Ouais, c'est parce que je suis noir, là, bien sûr. Non, je rien à voir avec votre couleur de peau. Vous savez que je parle de Swahili? Ah ouais, montrez-moi, j'écoute. Daurombonya, hey, what up, I'm the Remapi, what no? Il fait l'accent et tout, il est super fort, le Blanquito. Hein. Moi, je suis colombien, mon pote, je suis pas d'Afrique. Quiero de la moneda de valor de la corona de Tatarente. Je sais pas parler espagnol. Golden Messi, gilipollas del maricón. C'est ta puta madre, que yo fodara yo tu madre, tu madre, por el culo. Parle bien, s'il te plaît, juste, tu lâches des insultes. Quiero fodar tu madre, por el culo. Monsieur, calmez-vous. Je veux simplement vous faire dégager, vous raccompagner vers la frontière, monsieur le Mexicain, s'il vous plaît. Ah bon, c'est le Mexicain, contraire. En plus, t'es raciste, en plus. Super. Je ne suis pas raciste, monsieur. Vous n'avez fourni aucun papier concernant... Voyez, matara, ok, super, c'est bon, je vais pas m'énerver. Montrez vos papiers au cadet, montrez vos papiers au cadet tout de suite. Je veux voir son commandant, tu captes pas, en fait. Monsieur, vous êtes en train de troubler l'ordre public, ici. Il y a plusieurs personnes qui vous menacent. Je me sens menacé, vous agressez mon intégrité physique. Ça dégage derrière, voilà. Je sors pas, en fait. Voilà. Vous voulez frôler, c'est ça? Ah, c'est bon, il y a un membre des forces de l'ordre qui pourra vous faire expulser. Monsieur, s'il vous plaît, avec votre arme. Écoute-moi bien, espèce de slag. Écoute les ordres de monsieur le gouverneur. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. Je sais pas pourquoi tu rigoles, moi il me fait parler du tout. Hein. Toi, moi, on va t'expliquer, oui. Super. Toi t'es le porte-parole, toi, sérieusement. Et sinon, oui. T'es gars du corps, s'il te plaît, parce que là j'ai envie de te prendre avec moi et j'ai envie de te prendre. Monsieur, là. Je te porte, c'est fini là. Un porte-parole, comme si t'avais besoin de garde du corps. Vous savez que je suis membre officiel de la confédération des Bref Magas. Ah oui, sérieux? Qui consiste à vous dégager. Waouh, faut pas se battre, Porte-parole ou pas, arrêtez-vous. Regarde, il se jette, lui, il est italien, je vous jure, c'est la vie de ma mère, il vient de se jeter. Tu joues au foot, toi, c'est pas possible. Retiens-moi. Attendez, faut, on va le retenir. Mais c'est qui pour comme ça, vous êtes en train de le retenir? Il m'a l'air d'être très ajusté. Oh, il m'a agressé en premier, vous êtes au courant, hein. Retenez-moi, monsieur Lazan, sinon je vais en colline. Et le prochain gars, il m'a tapé dans la cellule. T'es bien défoncé ta gueule? Alors comme ça, oh putain, t'aurais mieux fait de garder ton masque. Ouais, oh, putain, super marron cette blague, j'adore. Oh, ça pire, super bonne cette gueule de merde. Touche-moi là, la le prochain mère, qui est cellule. Tu rentres pas. En fait, ici. Le truc, ok, d'accord, pas de soucis. Tu sais qui on m'appelle? On m'appelle Charles Martel. Monsieur l'agent, vous êtes témoin de racisme en direct, vous dites il rien. Il n'y a pas de racisme. Eh, il est super raciste, c'est plus, pas de ma faute si vous sentez le faisant, monsieur. Allez, ton ça dégage. Mais ton grand-père, il fait du whisky, casse pas les couilles. Ne manquez pas de respect, s'il vous plaît.
Allez, voilà, c'est bon, il s'en va. Allez, retourne dans son HLM. Allez, tout de suite. Je vois vos petits souliers en coin, ça vous fait rire en plus. HLM, non, je sais pas ce que ça veut dire. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît. Pour aller à l'école. Est-ce que ça vous parle un taudis? Taudis, cabane en bois. Favelas. Non, non plus, c'est pas trop. Et il se trouve drôle, hein. Je vais le boire en fait. Bon, allez, retourne, allez. Va t'amuser à Zoom, il en a fait, Ibrahimba, il nous casse pas les couilles. S'il vous plaît, merci, je vous demande une dernière fois, restez tranquille parce que je vais vraiment pas rigoler avec vous. Allez, va t'attendre à la balle. Super, allez, ramenez vos fesses. T'as de la chance que tu fasses pas décroiser, hein. Ramenez vos fesses, il m'en fout là. Retenez-moi où je vais le goumer, ce bâtard. Je vais vous retenir. Tu vois, goumer qui. Ibrahimba, on ne réglait pas une parole. Retenez-moi où je vais lui en coller une. Vas-y, je vais lui en coller une. Antonio, je crois que je vais faire. Appelle tes copains, tu vas rien faire. Comme d'habitude, tu es à ta gauche, voilà, regarde. Tu veux fracasser un fragile comme moi? Bah vas-y, allez, ouvre ta gueule. T'as pas de couilles? Bah alors, Ibrahimba. Oh mon dieu, je m'assois ici. Allez, arrêtez, aidez-moi. Lâche-moi la fille. Allez, prise d'anus, prise de poulpe. Rentre pas ici. Espèce même à Medellin, c'était moi le bordel. Crotte de bique que tu es, rentre pas ici. Ça va se jouer entre toi et moi maintenant. C'est bon, il vient de m'insulter crotte de bique parce que je suis noir, hein, clairement, je vous le dis. Oui, embarquez-le pour je sais pas quoi. Tu veux continuer à me parler? Qui la grognasse qui mange les menottes? Elle vient de roter la demoiselle. C'est bizarre parce qu'on se sent l'odeur du sperme. Allez, on va nager. Par contre, c'est chaud, par contre, ce qu'il dit. Elle vient de roter du sperme, cette connasse. Je suis le porte-parole du gouvernement. William, je suis avocat de Rota Clemente. Ah, merci de m'avoir libéré, monsieur Adam. La prochaine fois qu'elle s'amuse à roter avec du sperme en bouche, je lui colle un procès au cul. Je suis avocat et je suis porte-parole du gouvernement. Mademoiselle. Ah, c'était là, je crois. Porte-parole, il est par terre, il ferme ta bouche maintenant, je crois. Je me présente, Maître William Saboro, avocat au barreau de Sacramento, je suis porte-parole du gouvernement dans cette ville. Pourquoi vous me manquez de respect, monsieur Léon? Écoutez mes ordres. Allez, dégage le personnel de service. Va nettoyer Bamako là. Allez, ça circule. Allez, répétez votre identité. Il est raciste. J'aimerais faire un discours. Écoutez-moi. Laissez-le faire son discours. Je déclare la station mexicaine ouverte. Ceux qui sont pas de papier, vous les dégagez, s'il vous plaît. On commence par le policier ici. Je suis le nouveau porte-parole du gouvernement de Los Santos. J'aimerais qu'on m'écoute. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un nouveau système. Une nouvelle réglementation. Un confinement qui va durer un mois. Lors de ce confinement, ça va être très simple. On va confiner les Mexicains, les Noirs et les Bougnoul. Non, attendez, bah oui, c'est pas mal ça. Non, les Asiatiques, parce qu'ils bouffent des souris. Et nous sommes en guerre. Et les Blancs, bah les Blancs, c'est le coronavirus. Les Blancs, venez avec moi sur l'estrade. Non, les Blancs, Didi. Eh bon, dégagez là. Hop, vous allez tailler en tapis. Ah bah en fait, on est tous noirs, je crois bien, monsieur. Ah merde. Nous sommes en guerre contre différentes ethnies. J'aimerais mettre en place un système d'exécution de tous les balasses. Ah bah oui. Je pense qu'il faudrait en discuter avec le commandant. Ne vous en faites pas, j'ai déjà discuté avec le commandant. Ça devrait être mis en place très prochainement. On les exécute un par un. Et avant de les exécuter, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on les circoncise, les zizi. On va essayer de battre un record du monde. On va couper tous les prépuces et on va les joindre les uns avec les autres. On va en faire des nœuds, on va essayer de faire une corde. Et je vais descendre en rappel avec ça. Je vais essayer de descendre en rappel un immeuble de 5 étages avec du prépuce en corde. Est-ce que c'est possible? Arabe Azoa! C'est lui! C'est bon, je vous ai retrouvé enfin. Écoute-moi bien, je vais pas finir en pâquerette. Je te pointe mon arme, ou je peux dire qu'il arrête de tirer. Je sais pas si c'est bon, c'est bon. Ne pointez pas cette arme sur moi, on va arriver à un consensus, monsieur. C'est lui. Hein? Il a une arme pointée sur son arme. Ok, tu dis à l'autre, il range son arme. S'il vous plaît, monsieur, laissez-le partir, laissez-moi avec vous. Laissez-le partir. Montez. Non, je veux pas savoir, vous montez vous deux. Allez, dépêchez-vous. Monsieur, ne nous faites pas de mal, s'il vous plaît, on n'a pas d'armes, on n'a rien. S'il vous plaît, ne coupez pas le petit doigt. Pas zizi, ne coupez pas les oreilles aussi. On n'a rien fait. T'inquiète, ça peut aller bien plus que ça. S'il vous plaît, monsieur. Laissez-le partir, gardez comme moi. Je crois pas que vous avez fait l'erreur de vouloir essayer de me braquer, je ne sais quoi. Mais... Vous savez que vous êtes poursuivi par le gouvernement et la justice, toute la police. Je m'en fous. Vous êtes hors la loi, monsieur. J'ai toujours été hors la loi dans ma vie. On doit vous mettre hors d'état de nuire alors. Je peux vous aider, monsieur, je suis avocat, je peux vous aider s'il y a un procès. Je veux pas savoir. Comment ça, vous voulez pas savoir? Vous voulez rien savoir, putain, vous les 2000. Vous voulez jamais rien savoir, vous êtes jamais cultivé, bande de cons. Ok. Rappelez-moi votre religion. Ah, religion, je suis turc. Bon, ça. Turc, ok, très bien, vous êtes un témoin de Jéhovah, c'est confirmé. Donc il y a un nouvel amendement qui a été mis en place, une nouvelle purge. On doit exterminer tous les turcs dans cette ville. Et ceci n'est pas le nom de code, c'est... Le nom de code, vous le savez très bien, c'est Opération Durum. Durum, c'est Gurum, Gurum, Brum, Boum, Boum.
Anana Sikim, ouais, vous savez très bien ce qui a été mis en place. La religion dure. Et moi, je peux prendre ça comment? Pour du racisme? Salam, Kardesim, le nom de code. Donc ça va être simple. Là, on va se mettre ici. Vous allez me donner vraiment, réellement, vraiment trois raisons valables chacun. Trois raisons valables de pas vous tuer. Vous avez compris? La première raison, c'est que je suis blanc, je suis neutre, il n'y a pas de racisme anti-blanc sur cette planète. Ne soyez pas si violent, s'il vous plaît. C'est la loi, on vous laisse simplement respecter la loi. J'ai jamais appris à nager, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je ne fais pas de mal, s'il vous plaît. Pas le noir, il doit mourir la semaine prochaine, s'il vous plaît. Il y a une loi contre lui, s'il vous plaît. Non, je veux pas savoir. Il y a un truc qui est pas valable. Par exemple, vous avez 5. Oui, c'est bon. C'est une raison qui devrait me sauver. Vous pourrez rien dire. Je fais partie du peuple élu. Et ça me change quoi que tu fais partie du peuple élu? Ça veut dire que j'ai, comment dire, des dividendes en Israël, à Tel Aviv, exactement, s'il vous plaît. Vous pouvez rien faire contre moi. Je comprends, vous avez peur. C'est-à-dire, en résumé, je suis juif, voilà, c'est bon. J'appelez personne, monsieur. Vous avez... Il a déjà vite rangé son arme. Je veux pas que je vous flingue, lui et lui. Je vous assure que je le connais pas, c'est certainement... Monsieur, rangez cette arme. Ah bah, je le connais, c'est Ibrahim Ba, il va nous sauver. Monsieur Ibrahim Ba, s'il vous plaît. Il s'avance, il est en train de faire un 2-3 soleil avec vous. Retournez-vous, il va faire... Je te parle, tu tiens la vie ou pas, le petit blanc, là? Si. Bah alors dégage d'ici, tu veux pas mourir, je te dis clairement. Ah merci monsieur. Ok. Je retire tout ce que j'ai dit. Vraiment, je te conseille vraiment de te tirer parce que je vais m'énerver, j'ai pas envie de ramener d'autres personnes pour te fumer, toi clairement. Tire-toi. Allez, tire-toi. Allez, voilà, regarde-moi cette victime. Allez, bolos. Allez, circule. Toi aussi, ferme-la, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Tu m'énerves. Il faut le retrouver, il a pas compris la leçon. Son visage, non, par contre, toi tu vas te remettre sur le pont, s'il te plaît. Ah oui, c'est bon. Dépêche-toi. J'ai rien fait de toute façon, merci de m'avoir sauvé. Oui, je t'ai sauvé, oui. Je pense que tu préfères l'autre con, hein. Vous l'avez laissé s'enfuir. C'est toi le porte-parole de mort, là, depuis tout à l'heure. Oui, je suis le porte-parole du gouvernement. Il y a un nouvel amendement, une nouvelle purge qui a été mise en place dans cette ville. Il faut exterminer tous les Turcs. Nouvelle purge? Ah bon? Oui, c'est bon. Ils ont revu le dossier, ils ont mis une mise à jour. Pas les Noirs, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Donc c'est pour ça, depuis tout à l'heure, tu me traites de Mexicain, je sais pas quoi. Oui, c'est pour ça. Ah ouais, super, donc super. Donc maintenant j'ai un petit accent. Donc on est amis, Wakatepi petit... Baboon. C'est bon, on peut faire Wakatepi. Tu m'as pris pour. Vraiment, tu m'as pris pour. Oui, hein. Putain, déshabille-toi, s'il te plaît. Mon peuple. Vous faites de la bonne musique. Je te jure, arrête de parler parce que. Mais pas Gao, j'aime bien cette musique aussi. Mais je vais t'en mettre une. Tu la fermes, s'il te plaît. T'enlèves tes vêtements. Enlève-moi tes vêtements juste pour qu'on rigole, je pense. Oui, j'en ai une petite, c'est bon. M'humiliez pas, s'il vous plaît. En plus. J'ai attrapé froid en plus. C'est bon, ça vous va, je vous ai écouté. Regardez, je me suis pissé dessus. Putain, il s'est chié dessus en plus, ce chien. Regarde, il s'est chié dessus. Oh, ça pue. C'est chié dessus, c'est une dinguerie, ça. Waouh, ça pue. Mais t'es sérieux, là? Tu prends même pas soin de toi, t'es sincère. Il avait laissé un criminel s'enfuir, il est en train de commettre des meurtres. Paul Parole, mais c'est bon. De toute façon, j'ai son visage, t'inquiète pas pour ça, c'est pas grave, on verra plus tard. Vous faites quoi? Vous êtes policier? Retourne-toi, je vais enlever mon masque. Tu vas voir si je suis policier. Regarde, j'ai une gueule à être policier ou pas? Oh mon dieu, je ressemble de football. Ah super, je ressemble à qui comme joueur de foot? Attends, je vais me mettre profil, tu me dis. À qui je ressemble? Christian Garambeu, sans les cheveux. Non, trouve mieux. Si je te dis, c'est moi, wesh. Tu penses à qui? Je sais pas, Je suis en train de manger une glace, je te dis, c'est moi, wesh. Tu penses à qui, là? Si c'est. Please, non, il court vite, on l'appelle le couleur. Oui, si c'est à Auxerre, il courait super vite, même plus rapide que Mexef. Je m'en rappelle encore. Mais toi, tu étais encore dans les années. Fracture tibia péroné, je m'en rappelle encore, contre la fine. Il avait pris cher, fils de pute, à l'époque. Oh putain, qu'est-ce que c'était marrant, la blessure, le voir souffrir. Ah, il avait mal. T'emballes pas. Ah, je sais, c'est bon. Mbappé. Ah, il est fort, mais bref, de toute façon, cette noisette, je le porte pas trop dans mon cœur. Qu'est-ce que je suis pas très foot, je vais pas te mentir, je suis plutôt basketball, en vrai de vrai. Mais bon, tu m'as dit, je suis un joueur. Vous ressemblez un peu à Hakim Olajuwon. Parle-moi de vrais joueurs de foot, s'il te plaît. Je regarde pas la FIBA. Tu parles de la NBA, s'il te plaît. La FIBA, mais Hakim Olajuwon, c'est un joueur légendaire. Vous devez tenter de le connaître. Il a fait une grande carrière. Répète son nom. Enzo Récent, putain, merde, c'est un 2000. Il faut absolument que je sorte des joueurs récents. Oui, je suis pas un 2000, mais t'inquiète. Stephen Curry. J'aime pas du tout, Curry. LeBron James. Non plus, je suis pas très. Irving. Voilà, quelle meilleure chute. Merci. Super, ton grand-père, super, on s'amuse, c'est super, l'éclate, waouh. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Napalmed.